Bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Kero, j'espère que vous allez bien et on est parti, vous le voyez, pour un nouvel épisode du mode carrière sur F1 2017. Donc voilà, c'est un petit peu le rendez-vous tous les deux jours, ce mode carrière. C'est j'espère ça vous fait plaisir et ça se voit au nombre de vues, à vos commentaires et tout. À chaque fois ça vous fait plaisir, une nouvelle vidéo. Donc encore merci à vous pour tous vos vues, tous vos commentaires, tous vos likes, ça fait à chaque fois vraiment plaisir quoi. Et donc vous voyez qu'on se retrouve au menu principal, et qui dit menu principal dit nouvelle épreuve rétro. Voilà, je crois que c'est la sixième ou septième, je sais plus à force. En tout cas voilà, nouvelle épreuve rétro. Et la dernière fois on s'était laissé pour le Grand Prix du Japon, voilà la 16e manche de cette saison 1, et où j'avais terminé 6e. Donc voilà, je pouvais pas faire ni faire mieux ni faire pire. Enfin si, faire pire je pouvais, mais voilà, je pouvais pas faire mieux, parce que voilà, au niveau des pièces moteurs, vous avez vu que c'était pas mal usé. Niveau pneus, j'avais des pneus plus usés que les autres pilotes. Puis voilà, me battre contre les Ferrari, les Red Bull, les Mercedes, c'est vraiment vraiment galère, vraiment chaud à bord de ma As. Donc voilà, donc ouais, sixième place. Écoutez, je suis assez content de cette sixième place, et c'était victoire de Vettel, je crois, je sais plus. En tout cas, au pire, allez voir l'épisode précédent si vous l'avez toujours pas vu. Et donc ouais, nouvelle épreuve rétro, voilà. Et du coup, je vous invite à me rejoindre au Motorhome pour qu'on regarde tout ça. Et du coup, allez, c'est parti les amis. Vous savez, j'adore ce sport. J'adore me retrouver au cœur de l'action. Sentir l'odeur de l'essence et des gommes brûlées. En tout cas, je serai aux premières loges pour assister à votre prochaine performance. Bon, j'ai actuellement deux épreuves de haute volée à vous proposer. Mais vous aurez sûrement une préférence, ou je me trompe. De mon point de vue, il n'y a aucune différence notable. Alors c'est à vous de choisir. Et oui, c'est à nous de choisir, comme a dit le monsieur. Donc voilà, je vous retrouve au Motorhome pour ce choix des deux épreuves rétro où on s'était laissé la dernière fois. Chose très importante aussi que j'ai oublié de vous préciser en début de vidéo, c'est qu'en ce moment mon PC a des gros soucis. Voilà, je sais pas trop ce qu'il a. Il a du mal en ce moment. Du coup, je sais pas si cet épisode vous l'aurez 2 jours après le précédent. Voilà, ça se trouve qu'il y aura un petit peu de retard. Il faudra que je voie si j'arrive à réparer mon PC d'ici là. Enfin voilà, je vous tiendrai au courant. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, enfin Twitter je l'utilise pas, mais voilà, surtout ma page Facebook, c'est là où je transmets le plus d'infos. Voilà, franchement n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma page Facebook, tous les liens sont dans la description. Voilà, et on a le choix entre une course-poursuite sur le circuit de Bahreïn, la version courte, la voiture sur la Ferrari de 2007, voilà, ou soit une course sur le circuit des États-Unis, la version courte. Et voilà, je rappelle que le prochain Grand Prix, ça sera le Grand Prix des États-Unis, mais sur la version normale du circuit. Là c'est sur la Williams de 96. Et donc j'ai longuement hésité, parce que voilà, soit je restais fidèle à Ferrari. Donc voilà, parce que le As est motorisé par Ferrari, donc vaut mieux prendre celui-là. Mais je me suis dit, si la saison prochaine j'ai envie de peut-être me décrocher un contrat avec Williams, ça serait peut-être mieux de choisir Williams. Et donc les amis, à contre-cœur j'ai envie de dire, parce que moi, si vous le saviez pas, j'adore l'écurie Ferrari, mais voilà, je pense que je vais prendre Williams. Et puis bon, ça va nous entraîner un petit peu sur les États-Unis, même si c'est la version courte, ça va nous chauffer un petit peu. Donc voilà, donc je vais prendre la version courte des États-Unis. Et du coup, je vous retrouve sur la piste pour qu'on découvre pour qu'on commence, pardon, cette épreuve. Allez, c'est parti. Bienvenue à cette présentation internationale qui met en scène la crème des pilotes automobiles au volant de voitures rétro emblématiques. Et donc nous voilà sur le circuit d'Austin, la version courte aux États-Unis. Donc la course, tâchez de prendre la tête de votre catégorie dans cette course multi-catégorie rétro. Donc ils disent bien prendre la tête de votre catégorie. La Williams. La Williams de 96, donc la FW18. Je crois que c'est une catégorie
catégorie 2, hein, c'est pas la première, il me semble. Circuit of the America, 5 tours. Ok, on a 5 tours. Ok, bah écoutez, on est parti, les amis. Let's go. On va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est parti. Donc c'est bien catégorie 2, hein, vous le voyez, c'est marqué en haut à gauche. Attention. Il a failli faire un carambolage dès le départ. Donc là, à un moment, ça va tourner à gauche. Voilà, c'est là. Attention. Allez, ça bouchonne. On avance, messieurs, dames. Devant nous, on a Forrest Gump. Désolé pour cette blague. Il fallait que je la fasse. Bah, pour l'instant, on est premier de notre catégorie. Donc, pour l'instant, on a réussi l'objectif. Mais si on arrive encore à grappiller quelques petites places, ça serait bien. Enfin, il faut pas trop demander le déluge, hein, non plus. En plus, surtout que là, ils sont en train de s'échapper. Donc, à mon avis, c'est mort. Attention. Un petit peu du mal à tourner, cette Williams. Allez, fin du premier tour. On est P9 au général. Sans le... Comment la version normale du circuit de ces... De ce Grand Prix des États-Unis, c'est pas un Grand Prix ni que je déteste ni que j'aime bien. Voilà, il est sympa à rouler. Ça aura pris du temps avant que j'apprécie à rouler dessus, ce circuit, mais franchement non, il est sympa. Après, c'est pas un circuit que j'ai porté que je porte dans mon cœur, quoi, on va dire. Mais c'est juste que c'est agréable à rouler dessus, quoi, voilà, tout simplement. Même s'il m'aura fait péter souvent des câbles, ce circuit. Surtout le premier secteur, avec l'enchaînement de virages, là. Allez, on va terminer avec le deuxième tour. Bon, les autres, ils se sont échappés, hein. Les voitures de catégorie 1 sont plus rapides, logique. Est-ce qu'on passerait pas un petit peu en mélange riche? Allez, on va se faire un petit peu plaisir, un petit kiff. Pour l'instant, les autres derrière sont assez loin. Pour l'instant, on est en train de maîtriser cette épreuve. On devrait logiquement réussir du premier coup, hein. À part si on se foire ou quoi. Donc vous voyez aussi sur la minimap en bas à gauche, vous voyez que c'est bien précisé là, avec les couleurs, les voitures de catégorie 1 et catégorie 2. Sont catégorie 1, c'est en blanc, et nous les catégorie 2, pardon, en bleu. Alors je sais pas si ça y était avant tout ça, vu qu'il y a eu encore une mise à jour, hein, vous savez, la 1.9, qui a modifié quelques trucs. Donc voilà. Après, c'est pas vraiment un truc important. Il y a des choses plus importantes à régler, surtout le multijoueur. Enfin, même s'ils ont... J'ai compris qu'ils avaient réglé plein de trucs, mais bon. Après, ça reste pas ouf, hein, le multi, hein. Il reste encore pas mal de trucs à corriger, mais bon. Ils ont déjà corrigé quelques trucs, donc... voilà, ça fait plaisir. Allez. On va en finir bientôt avec cet avant-dernier tour. Tout
tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir, ce petit retour des voitures rétro. Avec ça, à chaque fois, ce son du moteur qui fait plaisir aux oreilles, là. Ah, que ça fait du bien, ce moteur. Ça rappelle la bonne vieille époque. Oh, il y a un avion qui passe en... Le mec, tellement il se fait chier sur la piste, il regarde les avions. C'est vrai que pour l'instant, il se passe pas grand-chose, hein. En même temps, c'est une épreuve rétro, voilà, c'est pas ouf. Et je sais qu'en termes de vues, ça se voit sur ma chaîne. Les épreuves rétro, c'est pas ce qui vous passionne. Et je peux comprendre, hein, c'est normal. Il se passe pas des trucs ouf à chaque fois dans ces épreuves. Allez, on est dans le dernier tour. Bon, ça va, on se sera à peu près bien sorti. J'aurais pas fait de grosses erreurs, je trouve. Non, franchement, on aura maîtrisé. Par contre, au niveau du carburant, j'ai pas maîtrisé. Par contre, j'ai pas vu que ça clignotait. J'espère que ça va passer. J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. On va même se mettre en pauvre, je crois, parce que là, j'ai peur de pas pouvoir passer la ligne. Allez, on y croit. Au moins, ça rajoute un petit peu de challenge, voilà, un petit peu de challenge durant cette épreuve, ça fait pas de mal. Allez, on assure, les autres, ça va, ils sont assez loin. Et donc, on en termine, les amis. Voilà, c'est fait. Donc, logiquement, j'ai réussi l'épreuve, hein. Voilà, premier de ma catégorie, hein, pas premier de cette course. Voici les vainqueurs qui s'approchent du podium après un Grand Prix palpitant. La tension est retombée et il est temps à présent de savourer cette belle victoire. Un grand bravo aux trois vainqueurs de la course d'aujourd'hui. Et voilà, vous avez un petit peu le classement. Donc moi, ils me mettent premier, mais vous voyez, c'est de ma catégorie. Donc voilà, vous avez le reste du classement. Je vais vous montrer la catégorie 1. Voilà, il n'y a que 8 pilotes. Et résultat général, voilà, on termine 9e. Ok. Voilà. Et donc, bah écoutez, je vous retrouve au Motorhome pour conclure et aussi ne pas oublier de faire les améliorations en R&D. Voilà, je vais faire ça avec vous avant de terminer cet épisode. Donc, je vous retrouve au Motorhome. Ah, à chaque fois, j'oublie la location des gommes, c'est vrai. Donc, avant de se retrouver au Motorhome, comme à chaque fois, la location des gommes, donc pour le Grand Prix des États-Unis que vous aurez lors du prochain épisode. J'espère que vous l'aurez dans 2 jours. Donc, les pneus apportés par Pirelli sont les ultra tendres en violet, les super tendres en rouge, pardon, et les tendres en jaune, voilà. Donc ça sera pour le prochain épisode à ce Grand Prix des États-Unis. Vous aurez eu un petit aperçu dans cette version courte et vous aurez la version normale lors du prochain épisode. Et cette fois-ci, c'est bon, on se retrouve donc au Motorhome. Donc, nous voici au Motorhome, les amis, avec le score en mode carrière. Et donc, je vais faire tout de suite les améliorations avec vous en R&D. Hop, donc afficher l'arbre. Donc déjà recommander l'amélioration. Ok, au niveau de l'aéro, on a combien de points? On a 1700. Est-ce qu'on améliore ça ou on améliore avant la longévité? Parce que bon, la longévité, on arrive en fin de saison, donc je sais plus si c'est vraiment utile d'améliorer la longévité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on améliore la traînée, l'aileron avant? Bon allez, on améliore. On est des fous. Donc ça va coûter 1000. Donc le gurney flap de l'aileron avant déplace l'air au-dessus des roues avant pour réduire au maximum la traînée. Ok. Donc je vais améliorer ça en espérant que ça n'échoue pas. Donc on aura ça pour le Mexique. Donc le Mexique, c'est le prochain Grand Prix, voilà. Au Mexique. Le prochain Grand Prix, non, je veux dire. Après les États-Unis, hein, bien sûr. Après le prochain épisode. Donc voilà, ça sera dans 2 épisodes maintenant. Donc on améliore. Voilà.
Il nous reste 782. On va essayer d'améliorer la longévité quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Usure de la boîte de vitesse 3, ça coûte 500. Ça coûte combien ça? 500, 500. Je vais peut-être améliorer le MGUK, encore une fois. Ouais, allez, on va améliorer le MGUK. Allez, ça c'est fait. Hop, voilà, donc on l'aura aussi pour le Mexique. Ok. Et il nous reste 282, avec 282 on peut pas s'acheter grand chose. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi que j'ai débloqué maintenant. Ah bon, ça c'est à part. Ok, bon. Bah écoutez, on va se laisser là les amis pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, cette nouvelle épreuve rétro. Et donc, on se retrouvera pour le prochain épisode, comme je vous l'ai dit, j'espère dans 2 jours, si j'arrive à régler mon souci de PC. Donc, pour le Grand Prix à la maison, voilà, le Grand Prix des États-Unis à Austin. Et je pense que ça va être assez cool, ce circuit. Il va y avoir de la baston. Et voilà, il faudra que j'utilise des nouvelles pièces moteurs, donc voilà, je risque d'avoir des pénalités sur la grille, et c'est même sûr que je vais avoir des pénalités, parce que voilà, c'est les cinquièmes pièces moteurs que je vais changer, donc voilà, plus de 4 pièces moteurs, ben ça fait des pénalités sur la grille, donc voilà, je vais être pénalisé, mais bon, après c'est pas tellement important, j'ai envie de dire, on rattrapera le temps perdu sur la piste, voilà. Et du coup, ben, portez-vous bien les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser vos commentaires et vos pouces bleus, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et donc on se retrouve très bientôt, j'espère, pour le prochain épisode. Allez, portez-vous bien tout le monde, salut.